Bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je suis avec Régine, pour ceux qui et celles qui ne connaissent pas encore Régine Petit. Donc c'est la pionnière du nia en France. C'est grâce à Régine que je peux pratiquer du nia à Bordeaux aujourd'hui et vous le proposer. J'ai l'occasion de venir à Paris ces jours-ci, et donc je suis venue et je sors juste d'un cours avec elle. C'était chouette, comme d'habitude. Donc je suis avec Régine. Régine, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené vers le nia? Ce qui m'a amené vers le nia, c'est cette passion du mouvement et de la liberté d'expression. Mmh. En même temps qu'une structure aussi. Hein. J'aime beaucoup, ce que j'aime dans le nia, c'est ça, cette possibilité qu'on a de s'exprimer joyeusement et librement. Et aussi quand même pouvoir partager des chorégraphies pour nous porter, pour être porté par le groupe. Et voilà, ce qui m'a amenée à ça, c'est ça. Enfin, j'ai été séduite par ça. Voilà. Et depuis que tu nous l'as fait découvrir en France, ça fait combien de temps déjà? Oh, ça fait maintenant 6 ans. 6, oui. Ah, oui, exactement. Oui. Et comment tu trouves que ça évolue, le nia en France? Alors, eh bien, ça évolue, je dirais doucement, mais sûrement. C'est quelque chose qui, c'est comme des graines qu'on sème et qui poussent durablement. Parce que les personnes qui arrivent à cette technique, en général, la portent en elles ensuite et la sèment ailleurs, comme toi tu l'as fait, Martine, si... de façon si majestueuse. Merci. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un mouvement, quelque chose de particulier qui te plaît dans le nia? Le cha-cha-cha. J'adore le cha-cha-cha. Ouais. Ça permet en fait de changer d'orientation. Je trouve ça joyeux, c'est un petit contretemps. Je trouve qu'il y a beaucoup de peps dans le cha-cha-cha. Voilà. C'est chouette. Et toi, est-ce que tu as quelque chose de particulier dans ta façon de faire, ou que les élèves te disent, ou que tu remarques? La Régine Touch. Régine Touch. Oui, effectivement, mes élèves, je dirais plutôt c'est mes élèves qui m'en parlent, mais c'est difficile à dire pour moi, parce que j'ai un peu d'humilité, je dirais, donc, je ne trouve pas mon mot, mais de pudeur, voilà, pour parler de moi comme ça. Qu'est-ce qui m'a touch? Je pense que c'est la joie que je partage. Je confirme. Je crois que c'est ça, je confirme. Mon identité. On en parle beaucoup, c'est vrai, mais je trouve que tu l'incarnes aussi. Toutes ces fois où on a pu se voir, c'est vrai que je l'ai expérimenté avec toi. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ceux qui ne connaissent pas encore le nia? Oh, venez avec vraiment qui vous êtes, simplicité, n'hésitez pas une seconde, c'est super, c'est accessible, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et à ceux qui connaissent déjà, eh bien, allez, poursuivez, allez plus haut, plus loin, plus fort dans ce chemin qui s'ouvre et qui est un chemin donc infini. Super. Pour finir, c'est le début d'année. Est-ce que tu veux finir sur une note? C'est le temps des vœux, c'est le temps des souhaits. Donc, c'est le temps aussi de rêver et de s'offrir et d'offrir à toutes les personnes qu'on aime. C'est tous ces plus beaux vœux et ces plus beaux souhaits. Voilà, la santé, bien sûr, la joie de vivre. Et l'énergie et la prospérité et l'abondance et beaucoup de belles choses. L'amour, l'amitié, la sororité, la fraternité, enfin la liste est longue de tout ce qu'on aimerait offrir à tous ceux qu'on aime, et la paix en soi et l'harmonie et la paix dans le monde. Super, très bonne année 2013 à tous, et puis pour les cours avec Régine, merci d'être venue. Avec plaisir, merci de m'avoir reçue. Donc c'est niana.fr, et vous trouverez tous les renseignements. À très bientôt, au revoir, merci. Au revoir.